Venez au Vietnam, le pays des merveilles. Histoire millénaire se voit offrir par le créateur des merveilles naturelles. 8 de ces sites culturels ou naturels ont été inscrits par l'UNESCO à la liste du patrimoine mondial de par leur valeur exceptionnelle, ce qui fait du Vietnam une des destinations touristiques les plus attractives en Asie du Sud-Est. La splendeur de la mythique baie d'Along. La magie du complexe paysager de Chang An. La somptuosité des grottes de Phong Nha Ke Bang. Le silence mystérieux des anciens temples de Mỹ Sơn. Les citadelles de Thang Long, celle de la dynastie Ho. L'ancienne capitale Hue, témoin aussi vivant des épisodes glorieux de l'histoire vietnamienne. Voilà autant d'attractions qui vous invitent à venir au Vietnam pour découvrir sa vitalité, ses richesses et ses potentiels de développement. Le peuple vietnamien est un peuple épris de patriotisme, de paix, d'indépendance et de liberté. Il accorde une grande importance aux convenances, à la droiture et à la fidélité. Travailleurs créatifs, les Vietnamiens sont également connus par leur modestie, leur douceur et leur hospitalité. Le Vietnam est un pays multi-ethnique, avec 54 ethnies frères vivant en paix sur son territoire. Chaque ethnie conserve ses propres caractéristiques au niveau des mœurs, des coutumes et des fêtes populaires. L'attraction du Vietnam provient de sa riche culture, dont témoignent plusieurs patrimoines reconnus par l'UNESCO, qui sait faire sienne les quintessences des cultures du monde. Le Vietnam est la maison commune des millions de croyants. À côté des grandes religions telles que le bouddhisme, le catholicisme, le protestantisme, l'islam et des croyances autochtones comme le caodaïsme et le hoa hao, de nouvelles religions et croyances continuent à s'implanter dans le pays pour enrichir le tableau multicolore de la vie spirituelle des Vietnamiens. Au Vietnam, la liberté de croyance et de religion est depuis toujours respectée et protégée. La cuisine vietnamienne est spécifique, avec des plats dont la préparation représente tout un art et qui deviennent des souvenirs inoubliables pour les Vietnamiens habitant loin du pays et les voyageurs. Chaque plat porte les goûts et les saveurs d'une tradition culinaire qui remonte à des milliers d'années. Depuis la mise en place, en 1986, de la politique du renouveau, le Vietnam a obtenu des progrès spectaculaires dans le développement économique, croissance soutenue et stable, échanges commerciaux animés, changement rapide de la structure de l'économie, avec une augmentation de la part de l'industrie et des services qui représentent désormais plus de 80% du PIB. Sur la base d'une économie de marché qui se développe, le Vietnam avance solidement sur la voie de l'industrialisation, de la modernisation et de l'intégration internationale. Le Vietnam est le premier exportateur de riz dans le monde. Ses autres produits, tels que le thé, le café, le poivre, les produits aquacoles et textiles, ont également gagné une place sur le marché mondial et sont appréciés par les consommateurs des 5 continents. À l'heure actuelle, le Vietnam poursuit sa restructuration économique en mettant sa priorité sur l'application de nouvelles technologies et en s'orientant vers le développement durable. À l'heure actuelle, le Vietnam poursuit la restructuration économique en mettant la priorité sur l'application de nouvelles technologies et en s'orientant vers le développement vert et durable. Fort d'un environnement de vie paisible et dynamique, le Vietnam souhaite offrir aux voyageurs et amis internationaux l'occasion de vivre des expériences uniques de bonheur et de réussite. Parallèlement, l'éducation, la formation et l'enseignement professionnel sont pris en haute considération afin d'élever la qualité de la main-d'œuvre
de créer une force motrice pour le développement durable correspondant aux besoins du développement socio-économique durant la période d'intégration internationale. Grâce à sa position géographique avantageuse, à son grand marché interne de plus de 90 millions d'habitants, dont 60% ont moins de 25 ans et dont la qualification professionnelle est de plus en plus améliorée, à son environnement des affaires stables et sans cesse amélioré, le Vietnam promet de grandes opportunités pour l'investissement, le commerce et la coopération internationale. Il est une destination idéale pour plusieurs grandes entreprises mondiales. Plus particulièrement, en réalisant une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement des relations internationales, le Vietnam a réalisé des progrès importants en matière de politique étrangère au bout de près de 3 décennies de réformes, ce qui lui a permis d'assurer un environnement de paix et de stabilité favorable au développement, de bien défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale et d'élever sa position dans le monde à un niveau supérieur. Venez au Vietnam afin de sentir la forte vitalité de ce pays, d'apprécier les valeurs et l'âme de son peuple, de profiter de la beauté de ses merveilles naturelles, de découvrir les richesses de son patrimoine culturel et de vous plonger dans le développement spectaculaire de l'un des centres économiques les plus dynamiques de l'Asie du Sud-Est. Venez au Vietnam, notre pays. Un Vietnam riche d'identité traditionnelle. Un Vietnam paisible, stable et développé. Bienvenue au Vietnam. Nous aimons le Vietnam. Attends, Daniel, attends.
faut tourner, il faut tourner. Voilà, voilà, oui, oui, il faut le même son. Voilà, la même son, ouais. Bon, mais tu restes là, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On doit dire un homme qui court. Un homme qui court. Quel espoir. Julien de La Réunion, son fils Marc. Herman. Herman. Hélène. Hélène. Je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Voilà, c'est bien. Chúng ta kính thưa toàn thể cô bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam nữ yên. Và để thay đổi không khí hội trường tới giờ hôm nay, các bạn chúng tôi xin được trân trọng kính mời anh Tuấn Nam đứng ra từ tư hương cơ sở xóm muối sẽ lên sân khấu với ca khúc mang tên gì không phải dạng vừa đâu. Alo. Sau ca khúc không phải dạng vừa đâu, mình hát một ca khúc nhạc nhẹ thất tình được không ạ? Được. Allez tous les deux au milieu. Au milieu s'il vous plaît. Bắt đầu sự thành của lệ với kỳ lực chữ. Bắt đầu sự thành của xe và lệ lực chữ. Xin kêu phần áo đá tạo là kẻ tự đánh nghề kiếm gì. Người ta sẽ mọi bàn đến tình phút như thế. Sự quen bước thương mọi sao mà tôi khác biệt. Để chỉ tôi sống cuộc sống của tôi mà thôi. Chẳng làm khó ai hay là mặt thương giam thái. Tôi chỉ muốn lại đây cùng tôi và bay. Tôi thấy trước đây kéo tôi bước đi mỗi ngày. Ngày trời lắng chẳng mơ chờ ai để ai. Người vẫn có may kèm theo ước mơ. Mais pas marché.
cuối đoạn đường mãi đó đêm nay xa cái tay ôm lấy tôi vào lòng một đời tình kiên định nó khác biệt. On ira après, hein. Okay. On les laisse tranquilles après. Oh, on va chanter un son. Non, 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 non. On va chanter d'abord. On va chanter. Oui, on s'en va. Mais il faut remercier, alors il faut chanter une chanson. Ah, il faut chanter une chanson. Oh, khách cho một hạt bông bay đây ông chủ. Hả? Khách cho một hạt bông bay. Khách này á? Ờ, khách cho Phạm. Năm nay được mua lúa không cô chú? Lúa vàng đẹp nhỉ.
météo là. Oh là là. Tu l'as ? Regardez, d'après toi, regarde, où est-ce que c'est bon. Regarde. Pas ça, joli, regarde le soleil dans la rivière, ça fait tout comme des. Comme une grosse étoile. Comme les brillants. Comme du gros brillant. Avec ça, et ça se reflète pas. Il y a le soleil qui est sur les rizières, regarde, tout vert. Pas ça, joli. Ah ouais, hein, c'est beau. Vas-y, prends, regarde, regarde dans l'œil. Regarde dans l'œil. D'accord ? Ce fil là, c'est vraiment dommage. Il faut baisser un peu. C'est bien qu'il passe les fils. Ah non, mais ça n'avait pas besoin de tourner, c'est juste à appuyer. Moi j'ai pris une photo. Moi j'ai pris une photo tout seul. Oh Théo, Théo, Théo. Arrête s'il te plaît. Non, tu vas pas sur la route. Et tu arrêtes de taper. Ah ouais, merci.